Chers téléspectateurs du réseau C'est les Lumières, chers pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, aujourd'hui, la liturgie nous présente Judas qui trahit Jésus en le livrant pour 30 pièces d'argent. Devant le Christ qui se donne librement par amour pour chacun et chacune de nous, prenons un temps de silence et de recueillement et reconnaissons nos faiblesses et nos limites. Quand nous rougissons de notre foi, tu continues de nous tendre la main. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Quand nous renions ton nom, inlassablement tu nous appelles par notre nom. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Quand nous refusons le mystère de la croix, tu te livres sur elle pour notre salut. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache, à mon tour, réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. J'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable.
J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles et n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le maître te fait dire : Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre : Serait-ce moi, Seigneur ? Il leur répondit : Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il voudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole : Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures que nous venons d'entendre sont des lectures fortes, significatives. À premier abord, on peut penser que c'est plein de souffrance, de tristesse, mais moi j'y vois autre chose. J'y vois beaucoup d'espoir,
d'espérance, de force. En première lecture, on a entendu que Dieu est avec celui qui croit en lui. Dieu accompagne dans la souffrance, les épreuves, et c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est gagnant. C'est lui qui va nous conduire à la vie. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous déjà fait l'expérience d'un être proche qui vous a trahi, qui a trahi votre confiance, quelqu'un que vous avez aimé de tout votre cœur et qui vous a renié, trahi? Comme ça peut être difficile à avaler. On a quasiment le goût de se retirer, de s'anéantir. Devant le reniement, la trahison, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a continué sa mission. Il a continué à aimer le monde, à servir le monde. Et vous savez quoi? Quand on met toute notre confiance en Dieu, quand on l'aime de tout notre cœur, dans les épreuves, avec les plus grands obstacles qu'on pourra jamais rencontrer, eh bien, il faut se rappeler que Dieu est là. Et ceux qui mettent toute leur confiance en Dieu savent qu'alors il y a une grâce spéciale qui nous habite, une force, et qu'on parvient à passer par-dessus ces épreuves-là, et qu'on est conduit vers la vie, une vie éternelle, une vie où aucun malheur ne peut l'entacher. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissons nos voix à celles des anges. Nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avec confiance, redisons la prière que nous avons appris du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint-Joseph et Saint-Frère-André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.